Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Hier, je vous ai dit que j'allais le massacrer, Matt, parce qu'il voulait pas bouger. Ce matin, rebelote, hein, je vais le massacrer. Hier soir, on vous a montré qu'on était en pleine pampa tenue avec une light. À tout moment, il y avait des animaux parce qu'on avait perdu une petite attache de gros pot. C'était pas grave en soi, absolument pas grave, on en a d'autres. Mais juste par le principe, viens, on va la chercher, on sait jamais si elle est là. C'était juste, vous savez, hier, juste devant le portail vert, avant qu'on fasse la rando. Là, ce matin, du coup, on l'a pas trouvé hier soir, hein, forcément. Et ce matin, je dis, tu ferais pas tes poches quand même? Parce que Mathieu met tout dans ses poches, mais après, il accuse toujours tout le monde, hein, tu vois. Bah, le bistonnier était dans ses poches. Mais il a fait genre, non, mais c'est pas moi. Hein. Je vais regarder le mien parce qu'il sera bientôt plus là. Hein. Regardez le bien, faites un arrêt sur image. C'est insupportable. Le principal, c'est qu'on ait retrouvé le bistonnier. Non, parce que c'était pas important. Le principal qu'il faut retenir, c'est surtout à chaque fois qu'il nous fait perdre du temps. C'est une aventure. T'imagines, hier, on aurait eu un problème avec un animal? Pour rien? Parce qu'en fait, t'avais le truc dans ta poche. Anecdote. Non. Bref, regardez, je tenais quand même à vous montrer, on ne mange pas que des bêtises. Des fruits, c'est la première fois quand même. Hein. Sinon, on reste quand même sur le fromage. La veille de partir. Toujours mes petits œufs. Et. Ah bon, lui, il a déjà pleuré. Hein. Et bon app, hein, je suis bien. Bon appétit. Bon, allez. On vous retrouve plus tard. Oui, et j'oublie pas, quand on est sur la route, je vous parle du plateau de Waterberg. Je n'oublie pas, vous inquiétez pas. Alors, ça y est, on vient de quitter l'hôtel. Il est un petit peu plus de 9h. Et je vais vous parler un petit peu du coup du plateau de Waterberg, là où on aurait dû aller hier, mais finalement on n'avait pas pris une seule journée relax. Donc on s'est dit tant pis parce que c'était 50 minutes, enfin plus ou moins une heure de route pour y aller. Donc en fait on aurait été pris aussi toute la journée, on n'aurait pas profité du lodge, ce qui aurait été dommage parce qu'il était vraiment chouette et ultra calme. On n'était que trois chambres. Enfin il y avait que trois chambres, enfin trois petites maisons d'occupés. Donc voilà. Alors en fait le plateau de Waterberg, il domine complètement le désert de Kalahari parce qu'il culmine à 200 mètres d'altitude. Il fait 50 km de long sur 16 km de large. Il a une superficie de 405 km². C'est un lieu qui est totalement sauvage et qui abrite un écosystème d'une rare beauté. Dans les roches, il y a de l'eau en abondance, ce qui permet aux animaux de boire. En 1880, en fait, il y a eu des guerres ethniques entre les Herero et les Nama. Et en 1904, le plateau de Waterberg fut le théâtre d'une bataille sanglante entre les forces coloniales allemandes et la résistance Herero. Alors là, j'ai deux versions, peut-être que les deux sont possibles ou peut-être qu'il y en a une qui est fausse, je ne sais pas. Mais les Allemands, en fait, ils l'emportèrent facilement grâce à leur équipement en matière d'armement et grâce à leurs moyens de communication. L'ennemi a été obligé de se replier vers l'est, donc dans le Kalahari, et ils ont été coupés complètement des rares points d'accès à l'eau. Donc ça, c'est une version. Donc ils ont dû se replier à l'est. Mais il y a une deuxième version qui dit qu'en fait, ils n'ont pas voulu se replier et se rendre, et ils se sont tous jetés du haut du... Ah, tes souhaits. Ils se sont tous jetés du haut du plateau de Waterberg. Je ne sais pas. Donc peut-être qu'il y a eu un peu des deux, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'animaux dans cette région puisqu'on peut voir des antilopes, de sables, de rouanes, des rhinocéros blancs, noirs, des impalas, des léopards, des phacochères, des lions, des vautours du Cap, des coudous, des singes. Il y a quelques serpents comme le mamba noir, c'est un des serpents les plus dangereux au monde, et le cobra cracheur. Bon, nous, hier, on a eu la chance, la nuit, lors de notre expédition nocturne inutile, on n'a rien vu. Et pendant notre petite rando, on n'a rien vu. Alors c'est vrai que niveau animaux, enfin, on a eu de la chance, entre guillemets, parce qu'on est tombé sur ni scorpion, ni grosse araignée, ni serpent. Et pourtant, on a été souvent dans la nature. Donc, ça, tant mieux. C'est l'araignée qui nous a fait flipper à mort. En fait, elle est inoffensive. Voilà, on a eu une araignée à Alali. Alors une très grosse, elles sont complètement inoffensives, hein. D'ailleurs les Namibiens ne les tuent pas, ils les laissent parce qu'elles sont très, très utiles, elles mangent les moustiques, c'est ça? Oui, d'ailleurs, je vais leur avouer maintenant à Isa, il y en avait une dans la salle de bain. Où? Le premier soir, là où on était. Mais non, si. Une grande ou une petite? J'en ai vu une petite moi, non, la même taille? Ouais, la même taille qu'on a tuée là. Tu l'as mise où? Je l'ai pas mise, je m'ai échappé du regard, elle était sur les poutres dans la salle de bain. Ah voilà du coup pour l'histoire du plateau de Waterberg, du coup on n'ira pas, mais peut-être une prochaine fois. On fera une vidéo pour répondre aux questions qu'on a reçues concernant la Namibie. C'est plus simple de faire une vidéo que de répondre la même chose, parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que c'est redondant. Et d'ailleurs on n'a toujours pas enregistré la vidéo, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook, sur Insta ou sous la vidéo si vous avez des questions concernant la Namibie. On y répond dans une vidéo très prochainement. Juste comme ça, moi c'est cette région en fait
Waterberg qui visuellement m'a le moins plus. Voilà. Après, bah voilà, on y restait que deux jours, on n'a même pas vraiment bougé. Donc on va voir, on a peut-être sur la route en rejoignant Windhoek, mais bon, je pense pas parce qu'en plus on fait que de l'autoroute. Donc voilà. Et ben on vous montre comme d'habitude des belles images du paysage. S'il y en a, mais je pense que oui. Sur un petit fond de musique sympa. Comme ça, nous, on s'économise, on parle pas et puis ça change un peu. Voilà. Je voudrais revenir juste 5 minutes sur la petite mésaventure qu'on a eue avec la police. Parce que du coup, on a reçu beaucoup de messages sur Insta. Et c'est très gentil de votre part. Hein. Attention, je commence par là. Je vous remercie beaucoup. C'est super gentil en fait de faire attention à ça et de nous envoyer des messages pour nous prévenir. Mais non, je veux quand même mettre les choses au clair pour pas donner une mauvaise image de la Namibie, parce que non, en Namibie c'est pas censé arriver. C'est justement réputé, je vous assure, renseignez-vous, c'est réputé, très réputé pour que justement ça n'arrive pas en Namibie, que la police est très honnête, que quand on veut vous mettre une amende, c'est pas la peine de serpenter, de genre je comprends pas ce que vous me dites, ou donner un bac chiche, hein, comme ça peut se faire dans d'autres pays, parce que ça ne fonctionne pas. Et donc en fait là on est passé à Ojiwarongo, voilà, qui était à 30 km de notre lodge et sur la route de toute façon pour rejoindre Windhoek. Donc j'ai fait faire un petit détour à Mathieu dans la ville. Je vous avoue, il n'était pas content quand je lui ai dit mais si, on va au commissariat pour prévenir. Il n'était pas du tout chaud, il ne voulait pas, il faisait un peu la tête. Je lui ai dit mais c'est pas grave, là je prends mon courage à deux mains, tant pis, j'y vais seul au commissariat, mais je ne laisserai pas passer. Je sais que je ne récupérerai pas nos 1000 nads, donc ce qui fait 60 euros. Ça va, hein, on n'est pas en train de parler de milliers d'euros. Hein. Mais je veux juste prévenir par principe de ce qui s'est passé pour que le nécessaire soit fait là-bas à Tsoumeb, pour que ce policier arrête et que ça n'arrive plus à d'autres touristes, même si ça va se repasser peut-être et voilà. Mais je voulais le faire juste pour avoir la conscience tranquille. Donc alors je suis rentrée dans le commissariat. Alors c'est très bizarre, c'est pas du tout comme le commissariat. J'ai expliqué mon problème, enfin du coup derrière une grille, mais à côté de plein d'autres personnes et tout qui racontaient déjà, là en plus avec mon anglais à deux balles, la honte. Bref, elle m'a comprise, elle m'a fait aller derrière le commissariat, elle m'a emmenée au commandant, elle a expliqué le problème. Alors lui du coup bah pareil, il était extrêmement désolé, elle aussi, mais vraiment désolé de ce qui nous arrivait. Il a dit mais malheureusement voilà, ben, j'avais pas de photo du policier, j'avais pas la plaque d'immatriculation, et je lui ai dit non, on a rien, et je saurais même pas les identifier parce qu'ils avaient un masque, je saurais pas les identifier du tout. Et en plus, quand il m'a demandé si j'avais pas une photo ou autre, je dis ben non, j'ai pas de photo de la voiture ou du policier, parce que clairement, chez nous c'est interdit, je me voyais mal déguer mon téléphone et cling, tu vois, je te prends photo, enfin on n'est même pas dans notre pays, je sais pas ce qui peut se passer, enfin on voulait pas finir au poste quand même, quoi, parce qu'on prenait une photo. Donc, mais c'est vrai qu'on a été. On n'a pas pensé sur le coup, mais effectivement, quand c'est arrivé la deuxième fois, on a vraiment été mais stupide de même pas prendre la plaque d'immatriculation en fait, mais stupide. Mais bon, c'est pas grave. Donc elle en a parlé au commandant, il lui a dit de me faire aller dans un bureau derrière. Elle a pris toutes mes coordonnées avec du coup notre numéro thaïlandais, notre numéro namibien, français, mon nom, mon mail pour nous tenir au courant en fait. Mais elle a dit que du coup là bah, on pouvait pas ouvrir d'enquête, tout simplement parce que si on ouvre une enquête on doit rester en Namibie. Et on lui a dit qu'on partait demain finalement. Donc elle a dit c'est pas possible, mais vous inquiétez pas, le commandant là va s'en charger, il va appeler le commandant du poste de Tsoumeb et ils vont faire en sorte que ça n'arrive plus. Elle était extrêmement désolée que ça nous arrive, elle dit ben ça ternit, elle dit non, enfin on lui dit que c'est pas de sa faute, elle dit oui je sais bien, mais bon ça ternit l'image de la police, c'est quand même une elle montrait le badge, elle dit c'est quand même, on a le même badge, donc ça ternit ça, c'est pas censé arriver, j'espère quand même que vous avez passé de bonnes vacances, que vous reviendrez, enfin que vous reviendrez. Et elle nous a bien expliqué, du coup je vous le dis, et en plus je l'avais noté et je le savais, mais j'ai tellement préparé ce voyage en peu de temps qu'en fait j'ai eu énormément d'informations et j'ai complètement zappé. En fait quand vous vous faites arrêter par la police, il doit vous donner un reçu, mais vous ne payez pas, vous prenez le reçu et vous allez à la police station la plus proche du point où vous avez arrêté, parce que vous devez aller payer, mais uniquement au poste et avec le reçu. Voilà, ben je le savais, j'ai plus pensé, c'est une erreur.
tant pis, c'est comme ça. De toute façon, si on reviendra, là, je le saurai. Et alors là, si tu me demandes de l'argent, tu vas pouvoir te brosser parce que je ne sortirai pas un centime. Mais voilà, bah, c'est arrivé. Donc, on prévient si ça vous arrive. En Namibie, en tout cas, je parle pas des autres pays en Afrique. J'ai préféré prévenir quand même, juste pour avoir la conscience tranquille. Et si ça peut éviter à un ou deux touristes de se faire avoir comme ça, et ben, tant mieux. Voilà. Ah oui, non, alors petite anecdote marrante. Mathieu voulait pas sortir de la voiture. Je lui ai dit, bah reste là, je m'en fiche, moi j'y vais. Je rentre dans le commissariat, il y avait énormément de monde, mais je suis quand même passée en 5 minutes. Enfin, on a écouté mon histoire au bout de 5 minutes. Mais après, le temps que j'explique tout avec mon anglais, parce que je cherchais mes mots, c'était long. En plus, il y avait du bruit, je l'entendais pas trop, je comprenais pas tout. Ça a mis quelques temps. Puis après, le temps de passer derrière, d'aller voir le commandant, de revenir devant, qu'elle prenne mon identité et tout. En tout, j'ai dû peut-être rester dans le commissariat. Enfin, à partir du moment où j'ai quitté la voiture, 20-25 minutes. Mais après, la policière a voulu voir Mathieu pour lui expliquer aussi, déjà s'excuser aussi auprès de lui directement de ce qui s'était passé. Et lui réexpliquer, voilà, qu'il faut faire attention, faut pas donner d'argent, on doit revenir là, mais qu'elle espère, elle lui dit, c'est qu'elle espère quand même qu'il va revenir, que c'est pas très grave et tout. Et alors je sors du commissariat, elle me demande où il est, je dis bah on est garé juste en face, donc elle me suit, on va voir Mathieu, je vois pas la voiture. Je lui dis bah mince, bah il a changé de place, donc elle commence à rigoler. Moi je commence à tracer pour voir où est la voiture, et un autre policier dit attention, 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 il m'arrête parce qu'il y a un camion qui déboulait. Même la policière elle rigolait, elle était ultra gentille. Après, au loin je vois la voiture, je dis ah, elle est là-bas la voiture. Il n'y avait pas de Mathieu dans la voiture. Alors là je suis toute gênée, je fais ah bah il est pas là. Bah attendez, je vais lui faire un message sur Facebook parce que j'ai pas son numéro Namibien en fait. Je vais lui faire un message sur Facebook, je vois qu'il est connecté, donc elle rigole. Après je commence à lui dire bah, pour un peu passer le temps, je fais bah peut-être qu'il est à l'intérieur finalement, on peut peut-être rentrer parce que ça se trouve il m'a pas vu revenir, il a eu peur, il me cherche. Donc elle rigole, on commence à repartir et après elle rigole parce que c'est toi, c'est elle qui t'a vu, hein. Moi je t'avais pas vu, hein. C'est elle qui, je sais pas comment. Parce que j'ai fait, je suis là. Ah lui, allô, je suis là. Elle rigolait, tiens, il est là ton mari. Donc elle lui a réexpliqué et tout, je lui ai traduit, bref, ultra gentil. Et en fait Mathieu, au bout de 5 minutes, il s'est dit bon allez, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais quand même la rejoindre et tout. En plus il commençait à flipper. Mais lui, il n'est pas rentré dans en fait, le non, bureau. Il faut expliquer pourquoi je flippais, parce que pour moi, je pars d'un principe, je sais, mais moi je l'ai déjà expliqué à des gens. Il a des préjugés. Voilà, j'ai des préjugés. Énormément. Et ouais. Je me dis, tous les flics ici sont tête de mèche ou corrompus, ça servira à rien, ça peut-être les emmerder de un, ou au contraire, ils vont s'énerver qu'on les traite un peu de corrompus, et ça peut causer plus de problèmes qu'autre chose. Franchement, j'avais pas envie de me mettre là-dedans. Et il m'embrouille, il voulait pas que j'y aille. Hein. Non, dis non. Bon, allez, je t'ai rien demandé de ce voyage, tu restes dans la voiture s'il te plaît. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, je ne l'ai pas emmerdé une seule fois, on a fait tout ce qu'elle voulait. C'est totalement vrai. Et là, elle ne m'a pas écouté pour la seule non. chose que je suis née. Mais si ça peut sauver deux touristes, moi j'aurais été contente que quelqu'un prévienne avant moi et que ça ne nous arrive pas. Bon, en tout cas, au bout de 5 minutes, en effet, je me suis dit, bon allez, je vais quand même y aller, je ne vais pas laisser toute seule. Sauf qu'il y avait deux bâtiments de police. Et ça, moi j'ai trouvé. Non, il y en avait qu'un. Eh ben moi j'ai trouvé le bon. En fait, il y avait des bâtiments un peu en préfabriqué et un petit portail ouvert. Ou alors qui collait un grand bâtiment où il y avait marqué dessus Namibian Policia ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Ben, moi je suis rentrée dans celui-là. Et ben lui en fait après il m'a expliqué, il est rentré dans l'autre où c'était une petite cour. Et t'inquiète, tous les bureaux. Premier bureau, en fait je dis c'est bien ici le poste de police, on me dit oui. Je cherche ma femme, va voir dans les bureaux. Donc j'ai fait le bureau 1, en fait c'est marqué au marqueur sur les portes. Donc je tape un premier bureau, on répond pas. Deuxième bureau, on répond ah non non, on va voir au troisième. Et ainsi de suite, et arrivé au dernier bureau où je rentre parce que c'est ouvert, il y avait une femme. Je lui dis écoutez, en anglais, je cherche ma femme. Elle me dit vous cherchez quoi? Je fais ma femme. Et moi elle fait votre femme? Je fais oui, je l'ai perdue. Elle est rentrée ici, mais je la vois nulle part. Donc là, elle va pour se lever pour me dire. T'imagines, t'avais fait une fiche, il t'aurait pas compris mon titre. Et après, ben, elle m'a envoyé un message et je suis sorti, mais. Alors moi j'étais bien avec la policière et le commandant. Bref, trop gentil la policière, après on est parti, elle nous aider grand coucou et tout, enfin ultra adorable, mais vraiment, hein. Tu l'as vu toi après, ouais, elle était gentille, hein, trop gentille.
Voilà, donc bah voilà, c'était juste ça pour vous prévenir. Donc on va seulement vous montrer maintenant les paysages. Mais je tenais quand même à le dire, et d'ailleurs je vais le dire aussi sur Insta, pour pas qu'on croie que voilà, parce qu'on a reçu plein de messages concernant d'autres pays d'Afrique où effectivement ça marche comme ça, de un peu bah voilà, t'es blanc, t'as de l'argent, on va te le prendre, on va un peu t'escroquer, tu vois, ils vont se dire c'est bon, t'es pas à 60 euros près, toi, le blanc. Donc voilà, mais non, en Namibie, je crois que c'est que le blanc, c'est 60 touristes. Touriste, voilà, oui, mais en disant ça, le blanc, ça fait un peu racisme anti-blanc, alors que là, je pense vraiment que c'est surtout anti, enfin, anti-touriste. Oui, mais c'était. Quel touriste ? Bah oui, oui, d'accord. Oui, mais est-ce que, enfin, attention, hein, y a pas de racisme dans ce qu'on va dire. Hein. Mais si c'était une personne de couleur, en Namibie, qui aurait retiré au ATM, on lui aurait fait le coup ? Je sais pas. Bah, je pense pas. Tu sais, si tu te balades avec une camionnette avec une tente, généralement, t'es un touriste. Hein. Bah oui, mais si c'est un ami bien qui fait ça, bah, je sais pas, je pense pas. Moi, de toute façon, c'était vraiment ciblé sur les touristes, là, car ce policier là. Bon, maintenant, j'arrête de vous ennuyer avec nos histoires et on vous montre un truc un peu plus joyeux, c'est-à-dire les paysages de Namibie pour la dernière journée. Go! Notre hôtel, donc c'est la 15e étape, la dernière, et le 17e hôtel, le dernier. On est à Windhoek et on a pris un hôtel, enfin on a pris le Avani. Pour ceux qui avaient déjà suivi nos vlogs, enfin c'était pas vraiment des vlogs, mais en Thaïlande, c'était aussi cet hôtel-là qu'on avait pris, le Avani. Alors celui-là fait beaucoup plus vieillot, vous allez voir la chambre, mais on s'est fait plaisir, on s'est pris une suite. C'était pas la chambre la plus haut de gamme, parce qu'après il y avait des suites présidentielles, etc. Mais on vient d'aller la voir, c'est quand même une très belle chambre. Donc on est au 12e étage sur 15, en sachant que le 15e, je pense que c'est le rooftop et le restaurant. Pousse-toi, s'il te plaît. Hop. Donc quand on rentre, il y a un immense hall. Vous ne sentez pas, mais il y a une très bonne odeur. Je ne saurais pas à décrire, mais... Mon premier petit bureau. De réception, je sais pas. Un grand miroir. Ensuite, c'est salon, salle à manger. Bon, ça fait repos, quoi. Hop, une belle table. Encore un meuble qui est déjà squatté par nos affaires. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc, c'est très, très grand. Tiens, on n'a pas regardé, nous. Ah ! Encore ? Vous allez voir, il y a deux frigos. Dans l'autre, il y a aussi de l'eau offerte. Et là, également. Ah, ok. Il me stresse à allumer les télés. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est très grand, mais vous voyez, ce style-là, ça fait très vieillot, et ça n'a rien à voir avec le Avani de Bangkok. Je trouve pas que ça fait vieillot. Ah ouais, vous trouvez pas? Là, attends, j'ai pas dit que c'était moche, hein. J'ai juste dit que ça fait vieillot. Non, je trouve pas. Ah ouais? Ça fait un certain style, c'est... Ah ouais, mais moi, ça me fait penser à un truc de vieux. Mais c'est beau, hein, mais ça fait très vieillot par rapport au Avani de Bangkok, tu vois. Ah, il était très moderne. La vue. Ouais, alors par contre, il n'y a pas de balcon. Et alors, moi, j'ai vu le trou, là. C'est flippant. Mais voilà, la vue. Bon, Windhoek, c'est pas la plus belle des villes, hein, on va pas se mentir. Mais, on a quand même une très, très belle vue sur les montagnes au fond. Et moi, j'adore. On va voir de nuit ce que ça rend. Voilà, on continue. On continue. Ma salle de méditation. Les toilettes sont juste immenses. Mais immenses. Vraiment. Ensuite. On passe à la chambre. Après vous. Oh, merci. Donc, un lit. Je pense que c'est un des plus grands qu'on a eu. Encore télé. Donc là, pareil, il y a le deuxième frigo et le même petit meuble que... De l'autre côté, vous voyez, qui se tire. Bon, on est là qu'une seule nuit, donc on va pas commencer à s'étaler, ça sert à rien. Hein. Toujours la petite bouilloire, et avec des dosettes de café, de thé, du lait. Encore un miroir, des fauteuils. Ça, c'est vrai qu'il a l'air confort, quand même, le canapé là. Hein ?
vrai. Bon, bah, la même vue, hein. On est juste en décalé. On continue ? Ouais. Eh hey. Ah, le coffre-fort. Placard. Ok. Ici, placard again. T'as vu les deux cintres pour ouais. Les costumes Ah, et en montant, on a pris l'ascenseur et on a vu sortir deux couples, deux jeunes couples, et qui étaient en habit un peu comme une remise de diplôme américaine. T'as vu ? Ouais. C'était canon, l'habit, l'écharpe et tout, le petit chapeau, vous savez, avec le pompon. J'ai adoré, c'était canon. Donc ça se trouve, ils organisent quelque chose là dans l'hôtel, hein, peut-être. Une remise de diplôme. Peut-être. Et ensuite ? La salle de bain. Alors, double vasque, encore un immense miroir. Tu peux pas te louper hein, dans la chambre. Hein. Dans cette chambre, il y a des miroirs partout. Une grande baignoire. Elle m'a l'air énorme. Non, mais tant tu mets de l'eau de là, c'est waouh, elle me paraît énorme. Non, je crois que. Ah ouais, c'est une. Je pense. Ah, je sais pas. Ensuite, une douche. Il n'y a pas de pommeau. Mais il y a peut-être le pommeau dans la... Non, il n'y a pas de pommeau. Ah oui, donc là, tu te douches et tu prends ton bain, en fait. C'est ça. Ok, avec des petits produits. Et ensuite... Et enfin... Donc ça, c'est mes toilettes, c'est ça ? C'est ça. Les plus petites ? Voilà. Ok. Bah alors, tu sais ce qu'on peut faire ? Moi, je prends cette partie de la chambre... Et toi, tu prends celle-là. Non. Mais je crois que t'es mieux mis en plus. Parce non, que c'est bah super non, sympa là. Lui, moi. Ça se trouve, tu dors super bien là. Mais j'adore moi, cet endroit. Enfin voilà. Alors par contre, niveau prix, on va regarder ça et on va vous dire. Parce qu'au moment où on a réservé sur Booking, c'est un prix, mais après ça change avec le cours, vous voyez. C'est-à-dire que ça reste en ad. C'est un tarif précis en ad, mais avec le taux qui change sans arrêt en euros, ça change. Et on a seulement été prélevé hier, donc Mathieu est en train de regarder, mais ça se trouve on n'a pas encore. APJ par Booking, 157 euros. 157 euros, voilà la suite avec petit déjeuner. Alors à Bangkok, pour comparer les Havani, hein, on avait pris une très belle chambre, mais moins chère. Par contre, on avait été surclassé et il y avait beaucoup plus d'offres. C'est-à-dire que quand on avait été classé ensuite, et quand on était ensuite, on avait le droit au petit-déj, on avait le droit à le soir à avoir des boissons gratuites alcoolisées, des cocktails et des petites choses à manger. Et on avait le droit aussi à un tea time, mais gratuit en fait, quand on était ensuite. Là, on prend une suite et c'est uniquement le petit-déjeuner. Voilà. Oh, non, je l'ai dit. Pas la t'as toujours pas été reçu. Bon bah à peu près 157 quoi. Mais c'est 2700 et quelques nads il me semble. Donc voilà. Bah nous on va chercher les bagages et après on va faire un petit tour dans l'hôtel et on continue bien évidemment à tout vous montrer. Du coup, regardez, on est en train de prendre des petits souvenirs personnalisés. Il fait ça tellement bien et tellement vite, je trouve ça impressionnant. Et ça c'est pour moi. Que je suis vite, en était pris un. Waouh! Perfect! Thank au suivant! C'est exactement comme à Bangkok, c'est trop marrant. L'hôtel est relié par des ascenseurs et des couloirs à un mall. Du coup, le mall est pas terrible, il fait 3 étages, mais les boutiques sont pas terribles. Mais par contre, du coup, on a pris une autre entrée et on est tombé sur une salle de sport. Donc, je vous la montre tant qu'il y a personne, c'est top, je trouve. Et regardez les murs, comme ils sont trop bien décorés. Oui, on te voit. Et là, il y a tous les caméras là qui sont derrière les trucs qui rigolent. Les agents de sécurité, les caméras. Donc, on vous a pas montré le mot, il était vraiment pas terrible. Hein, c'était pas un beau truc à montrer. Et on monte tout de suite au rooftop pour vous montrer la piscine. Ça ressemble plus ou moins au Havani de Bangkok. En moins bien quand même. bon, je vais déjà vous montrer la vue. Non, moi je m'approche pas. Du coup, ça c'est. Non, je veux pas que tu approches ma caméra du bord. Ça c'est l'église où on a été. C'est la... Comment ça s'appelle ? Christenkirch. Christenkirch. Ouais. C'est justement la pain d'épices. J'adore ça entouré de montagnes, je trouve ça canon. Pas mal quand même, hein. Regardez, du coup la piscine, enfin, c'est quand même... Bon, c'est une piscine en rooftop, hein, mais elle est un peu petite en fait. Je pense que s'il y a tous les clients, tu... Enfin, c'est un bain de pied. Non, mais il y a peut-être
je crois pas qu'il y ait beaucoup de clients qui aillent là. À Bangkok, il y avait plein de monde. À Bangkok. Voilà, je vais pas vous montrer le reste parce qu'il y a du monde. On se retrouve à l'intérieur. Là, je vous montre rapidement parce que là, il y a du monde. Là, regardez, c'est ultra joli, mais vraiment ultra joli. Et puis c'est bien espacé et tout. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, du coup, on était juste là, quoi. Et voilà, et maintenant, on se retrouve dans la chambre. Enfin, en hésitation avec Matt, on sait pas si on se fait un room service ou si on mange ici. Ça va se tirer encore à pile ou face, ça. Bon, on peut manger là. Hein. C'est moi qui ai choisi des cocktails pour Isa cette fois-ci. C'est des cocktails pour moi ? Pas non, ouais, il y a deux cocktails qu'on va se partager, donc on va dire les cocktails. C'est moi qui ai choisi les cocktails. Attention, ils et moi on est ensemble depuis très longtemps, mais on a rarement les mêmes goûts. Si on prend deux plats au restaurant et qu'on se les échange, généralement je préfère mon plat, elle préfère son plat, de base. Pour les films, ça va, pour les musiques, alors pas du tout. Et pour les boissons, généralement, on n'aime pas du tout non plus la même chose. Donc là, j'ai pris deux cocktails que je trouvais assez sympa, deux noms. Mais on va voir si elle va les aimer. Donc, elle va goûter les deux en même temps, okay. Et je vais filmer ses réactions. Mais sur les attends, deux. C'est des trucs vraiment bizarres qu'il a fait ou non? Ils sont... Ah non, non, c'est des bons. Ah, il n'y a rien de particulier. Non, moi okay. Je pense que j'aimerais bien, mais on va quand même voir ça. Voilà ce qu'il y a. Il y a le Hakuna Matata. Isaac commence déjà à chanter. J'aurais dû me dire, j'aurais été mettre mon t-shirt Rafiki. Voilà, donc il y a le Hakuna Matata pour l'enfant qui est là. Et après, il y a la Love Potion. Tais-toi. Donc vas-y. YouTube va me censurer. Je te perds. Enfin, je t'en prie, goûte. Ah bah non, vous allez devoir attendre parce que j'ai pas fait mes petites photos. Bon, je vais couper. J'ai pas fait de prank. Oui, il y en a pour un moment là. Apparemment, faut bien les touiller. Bah, ça c'est à l'ananas et ça c'est à la pomme. Hein. Tu m'as pris pour une crétine. Ouais, elle a dit de bien touiller. De toute façon, t'es fini aussi en groupe. Pour voir ta réaction. La pression. Ok. Oh, c'est pas en alcool, j'ai l'impression. On est sans pouvoir de ton côté. C'est bon, mais je suis incapable de dire ce que c'est. Mais moi, je sais jamais rien reconnaître. Hein. On ferme les yeux, je mange des spaghettis bolo, je sais pas que c'est des spaghettis bolo. J'ai un problème avec ça. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Oh non! Alors, il y a de la liqueur d'ananas, de la liqueur de banane, du coconut rhum. Ah ouais? Et autre chose, je ne sais plus quoi. De grenadine aussi, autre chose. Merci. Ok, et ensuite le love. Bah, le love, c'est une liqueur de pomme. Ça, vraiment, je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Alors, tu vas nous chercher la carte en fait, parce qu'il ne peut pas nous faire ça, on est d'accord, il ne nous dit pas ce que c'est. J'aime moins celui-là. C'est un peu plus acide, moins sucré. Mais il est bon, hein? Mais regardez la petite fiole. Elle est trop choupie. Elle est pas oufissime? La fiole est oufissime. Tu vois, même lui, il s'y met. J'espère que j'ai pas trop été chiante. Mais pendant longtemps, je l'ai plus fait, au fait. Hein. Pendant deux jours, j'ai l'impression que je faisais que ça. Je parlais en oufissime, oufissime, oufissime. Et après, j'ai oublié. Et dans un virage en voiture, j'ai dit, oh, mais ça fait longtemps que j'ai pas dit oufissime. J'aime bien cet Alors, hôtel. J'aime bien cet hôtel. Moi, j'ai commandé en entrée des huîtres. La serveuse arrive. Elle me les met pas, hein. Elle est faux au milieu. Elle a tout compris. Elle va avoir un bon pour moi. Il est dégoûté. Faut déconner, non? Bah, bon appétit. En tout cas, elles sont belles. Elles sont très belles. Regardez les bulles. Et coucou. Vous avez vu les bulles? Je pense que c'est très très chaud. Ouais, elle a dit attention, c'est extrêmement chaud, faites attention. Je pense que c'est très très chaud. Et du coup, là, si vous voulez rigoler, c'est maintenant qu'il faut dire à Mathieu de goûter quand c'est bouillant. Non, 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 je ne supporte pas. Même un truc qui pour moi est tiède, lui il dit ah, oh, c'est bouillant. Alors déjà, je fais pas. Si à chaque fois vous verriez sa tête, genre t'as l'impression que tu lui coupes la langue. C'est ça. Bah je te fuis. Bah ok, vas-y, vas-y. Montre aux gens si c'est faux. Bah non, là c'est trop chaud là. Mais justement, vas-y, on va voir si tu veux faire ça. Attendez, attendez, il venait de couper là. Je lui dis, mais pourquoi tu coupes si je montre? Il dit, bah attends, parce que je vais souffler dessus. Hein. Non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Non, mais arrête, arrête, mais on veut pas tricher. Vas-y, de toute façon, il va prendre sur lui, c'est sûr. Regardez sa souffrance. Non, elle est pas chaude. Jure. Non, mais par contre, il y a un truc que t'aimes beaucoup à la maison que là. Je vais pas aimer. Non, mais tu vas voir. Good. Ah ouais? Ah oui, du coup, pour vous prévenir, moi j'ai pris une soupe asiate dumpling. Donc en fait, je m'attendais à voir comme chez nous, vous savez, un peu une soupe transparente avec des raviolis dedans.
Et ben c'est pas du tout ça. Ça change vraiment par rapport à chez nous. Vous voyez, c'est pas du tout transparent comme chez nous. Et vous voyez, c'est des morceaux de viande, c'est marrant, ça n'a rien à voir avec nos soupes dumpling. Je dis pas le contraire, mais je pensais avoir une soupe comme chez nous. Mais bon, moi ça me va, j'aime tout alors. Je dois prendre que le jus. Vas-y. T'as vu, il y a des haricots verts dedans. Il y a des champignons, des haricots verts, c'est trop marrant. Même des brocolis, il y a des brocolis et des carottes. Vas-y, c'est chaud ou pas? Ah, ça arrache. Ouais. C'est ça? Ouais, ça va. Ouais, j'aime. Mais par contre, c'est vrai que c'est très très chaud, je vais attendre un peu. Mais du coup, rien à voir avec les soupes de chez nous. Mais je vous dirai après quand j'aurai pu tout manger, mais ça a l'air bon. Ouais, ma soupe est vraiment délicieuse, mais c'est vrai qu'elle est ultra chaude et ultra piquante. Heureusement que ça va, j'aime ça, parce que sinon, ultra dur. Et Mathieu, en fait, a pris un pad thai. Alors normalement, à la carte, c'était que avec des prawns. Enfin, un prawn pad thai, donc au coq. Il a demandé si ça existait pas au poulet et elle a été se renseigner. Le chef lui a fait un pad thai chicken. Non, tu n'as pas du tout un pad thai. Non, mais ça a l'air bon en tout cas. On va goûter. Allez, vas-y, regarde tes petites cacahuètes. Mais t'as pas de petits piments ni rien, parce que c'est déjà dedans. Le pad thai, c'est obligé avec des cacahuètes. Bon appétit. Voilà. J'en fais un très très bon d'ailleurs de pad thai. Hein, c'est vrai. Il se défend pas mal. Non, je vous jure, pourtant, ouais. Il se défend pas mal, ça veut dire qu'il est pas terrible, je vous jure qu'il est bon. Ouais. Alors, par rapport au restaurant qu'on trouve chez nous, il est très très bon. Ah, ouais. Par rapport aux experts du pad thai de Thaïlandais, bon, je fais le même. Vas-y, mangez-nous. bon, voilà, on a vu beaucoup trop gros, et encore, les huîtres, c'est un starter. Ça, c'est un starter. Ma soupe, c'est un starter. Là, on part avec dans la chambre parce qu'ils ont trop bien préparé ça, c'est trop mignon. Parce que c'est juste pas possible quoi. On va exploser. Et encore, et les huîtres, et ouais. Ça ne cale pas. Non. Donc imagine, on a pris une entrée. Ah ouais, non, mais impossible. Donc voilà, bah là on va rentrer à la chambre. Vous vous inquiétez pas, hein, vers 22h, ça va être mangé. On va se poser dans les canapés là. Ça va être trop bien. On vous montre ça bien évidemment. Comme des gros porcs bench. Ouais, c'est trop ça. On va finir comme le porc là dans l'assiette. Regardez ça. Regardez ça. On avait une couette, un lit bien fait. Non, parce que comme on a un salon, madame peut profiter du salon, mais qu'il fait froid. Elle était se foutre là, elle a mis les deux canapés et elle a pris toute la couette. On est trop bien. Et on a mis le chauffage à 30. Mais c'est vrai. Par contre, blague à part, je vous jure que le premier jour où on est arrivé à Windhoek, on vous l'avait montré, il pleuvait. On s'est demandé ce qui se passait, parce qu'on était en Namibie. Après tout le reste du séjour, vraiment super bon et des fois très très chaud. Mais très chaud, mais très supportable quand même. Hein. C'est très chaud, mais très supportable ici. Et c'est super agréable d'ailleurs. Mais là, on a vu sur Windhoek, les températures, quand on est arrivé, on était en t-shirt. Tout le monde était pantalon, veste. On caillait à Windhoek, mais vraiment. Et j'ai regardé, cette nuit, il doit faire moins 6. Donc, je sais pas si c'est que en ce moment-là qu'il va faire froid. Ou si c'est qu'à Windhoek, mais il fait pas chaud partout en Namibie. Hein. Bon, allez, je vais me poser avec elle. Ah, tu vois, on va être trop bien, regardez ça. Bon, on nous a pas montré grand chose. En fait, après le rooftop, on est venu, on s'est éclaté. Ah bah, t'as filmé, non? Filmé quoi? Quand on était posé là-bas. Ah non. Ah si. On est resté comme ça 2 heures. Après, ça a été douche, bain. On a erré pendant 1 heure dans. À rien faire. On s'est un peu occupé des valises. Et là, il va être 22h. Donc, j'allais dire on s'est posé, mais non, on est posé... 22h? Ouais. Ouais, 21h30. Non, on est déjà posé depuis 2h. Enfin, non, on est déjà posé depuis tout l'après-midi, en fait. Donc, j'ai été prendre le pork belly. J'étais le foutre sur le lit. J'ai déjà taché le lit. J'ai honte. Ouais, elle a taché le lit. Je voulais goûter la petite sauce, mais je savais pas qu'elle était inversée. Donc, en fait, ça a mis une petite goutte... Voilà, pardon. Bien joué. Voilà. J'ai honte. Voilà, ça, c'est ce qui nous restait. Ça, vous savez, je sais pas si on en a en Belgique ou en France. On a ça les Cheetos aussi, nous. C'est vrai. Mais en fait, moi, j'adorais ça. Quand on était en Espagne, il y avait les mêmes, mais des énormes boudins orange. Et ben, en fait, ça, c'est les mêmes en plus petit. J'adore ça. Et ben, la petite eau. Mathieu, il a déjà son petit soda d'une couleur bizarre. C'est le cream soda. Ouais, franchement, c'est très bon. On dirait une eau à la menthe. Bah, le melon soda du Japon est de la même couleur. Ah ouais. Attendez, je vais vous montrer. De nuit. Je vais me mettre derrière le rideau.
Pour pas avoir... Elle est où l'ouverture? Pour pas avoir de reflet. En face, là, j'ai un doute, je me demande si c'est pas le Hilton. En tout cas, c'est sûr que c'est un hôtel parce qu'on voit des sofas en dessous et en haut un bar. Et je sais que le Hilton est assez proche. Donc je pense que c'est le Hilton juste en face. On avait regardé, les chambres, elles étaient pas terribles. Enfin, pour nous, c'est juste une opinion personnelle. Hein. Le Hilton, maintenant, c'est vraiment plus qu'un nom. C'est plus ce que c'était avant, en fait. Vraiment, à son âge d'or, c'était vraiment quelque chose, les Hilton. Mais maintenant, je trouve que... Hashtag boomer. Hashtag boomer. Mais non, non, mais c'est vrai, c'est plus la prestance que ça représentait avant, en fait, Hilton. Mais c'est qu'un avis personnel, hein, bien évidemment. Donc voilà, Windhoek de nuit. Demain c'est terminé, on part. On fera le petit point à l'aéroport quand on arrive à Bruxelles. Bon, on espère que cette mini journée glandage, bouffe, apéro vous aura plu. Bah moi, vous savez quoi faire si vous venez à la Vanille de Windhoek. Oui, voilà, vous pouvez prendre un Hakuna Matata et surtout prenez que un plat au restaurant parce que c'est des doses mais de dingue. Franchement, mais vraiment vraiment. On a payé 900 NAD, donc ça fait 54 euros pour boire compris, donc deux cocktails, les huîtres, une énorme soupe, des pâtes thaï et du pork belly, voilà. Mais quand même dans un hôtel prestigieux et c'est on ça. Trouve pas ça excessif. Et en plus, on a regardé le menu du room service qui n'a rien à voir avec le resto, je sais même pas d'où ça... Il y a rien en commun, mais rien. Et le room service était vraiment pas cher, je trouve. Par exemple, lui, il avait vu des pâtes... Hein. Tes pâtes, elles étaient à 10 euros, un truc comme ça, en room service. Et quand on compare au room service d'autres hôtels, qui sont très chers, n'est-ce pas Marvel? Ouais, mais tu prends un truc Disney, enfin... N'est-ce pas ouais, Marvel? Ouais, mais pour comparer, ouais, bon... Allez, bon, on espère que cette journée vous aura plu. Nous, on va manger et puis on va dodo. Et on se retrouve demain pour le départ. Bisous! À demain!